25 ans. Je sais pas plus que vous. Est-ce que vous avez du jeu de cette contendance sur vous? Rien du tout. Rien. Pas de problème. Bien sûr, on va s'asseoir. On va gêner ici. Wesh, ils sont rentrés dans la voiture. Eh hey les gars, on va parler tranquillement. On va parler tranquillement maintenant, t'as compris? Mais comment il... On va parler tranquillement. Hey, t'as pas what? Excusez-moi pour ce malheureux contretemps. Dans les recoins les plus reclus de notre société, un fléau tabasse nos jeunes frères et sœurs et nos brebis gagnants. Ok, Chris Hansen. C'est un sujet tabou que tout le monde préférerait éviter, mais c'est un sujet qui mérite attention. La pédophilie est un sujet complexe et difficile à aborder, mais il est essentiel de le faire. Car ça, c'est le diable! Et je suis content de vous annoncer que nous avons fait appel à la compagnie, il faut me dire. Plus communément connue, je crois. Dis! Merci pour le 10e mois. La régie. C'est à vous. W host. Faut me dire. Ah vous tellement ghetto. There's about 2 billion people all over the world that looks like us. But their lives are a lot harder. Wakanda has the tools to liberate them all. Yes, Carrefour qui est par la compagnie SPR. Cox, connu sous le nom de Fomédir. Et Pablo Bala, Aki et Pablo Escobar, communément connu sous le nom de Tu vas pas venir, ok, tant pis. Attends, c'est quoi les messages? Je suis là, je suis devant le carrefour. Ok, je suis dans le tram en voiture. Est-ce que t'es vraiment là ou c'est faux? Tu vas pas venir, ok, tant pis. Tu vas pas venir, ok, tant pis. Si, je suis là. Il est à pied. Il est près du Pizza Hut. Ouais. Mais attends, comment on va l'attraper en fait? Quand ils vont voir une équipe de 3 noirs arriver là. Là, il est en dehors. C'est idéal. Yo, my. Winnie, merci pour le sub. On ne lâche pas. Allez les super négros, on y va. Je sais pas c'est qui, quand on va lui parler. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie comme nom d'équipe. Mais c'est pas mieux qu'on vienne par le côté. Qu'on vienne à côté, on va tout droit, t'as compris? Là-bas. Mais il est où là-bas? Non, il est là-bas. Ah ouais, ok. Ouais, voilà, il est à côté de la classe A, tout à droite. Avec les phares allumés, ça veut dire lui, il est prêt à partir à fond. Ah mon gars, il est dans la voiture. Ça commence à devenir chaud. Mais il va se barrer dès qu'il va arriver. Il est prêt à démarrer et les filles ne sont pas là. Donc là, je cherche une solution pour le bloquer. Pour le cogner. Elle est tout à droite. Tu vois à côté de la CLA? Je vois pas. Derrière, la CLA. Là. Ouais, tu vois la CLA, okay, bah, okay, derrière. Ouais. Ok, ouais, j'ai pas trop regardé. Mais je te suis sinon. Là maintenant, ce qu'on va faire, regarde. C'est on va faire tout le tour. Et on va le prendre par derrière. C'est-à-dire toi, tu vas aller par derrière, tu vas aller devant. Moi, je vais derrière. Okay. On bloque. Tu vois? Ok. C'est tout. On court devant la voiture. Un devant, un derrière. Un devant, derrière. Okay. Qui va devant, qui va derrière? Ah ouais. Vas-y, c'est tout. Un bail à se faire renverser, hein. Le pédophile. Excusez-moi, moi ça aurait été dans la voiture, je serais déjà parti depuis longtemps, frère. On le pose comme ça, voilà. Bien prêt. Même avec les cartes là, j'aurais roulé, frère. C'est quoi cette OST de con? Qu'est-ce que tu racontes, Rastar?
vois la gamine. La gamine, dis-nous. Je vais te dire un truc. Je venais pour voir qu'il y a. Les caméras sont là pour être sûr que personne ne t'a attrapé. Tu vas pas dire. Vas-y, y'a pas de problème. Et je vais même parler devant les caméras. Ça va. Tu sais ce qui se passe. Je vais voir la gamine, qu'est-ce qui se passait. Parce que quand elle parlait, c'était pas une gamine de 14 ans. Ah. Donc je voulais voir qu'est-ce qui se passait avec cette gamine. Parce que, tu comprends? Non mais ouais, les gars, c'était le sauveur. C'était le sauveur. En fait, il se disait, mais c'est bizarre. Cette petite-là, là, on dirait pas une petite. Donc en fait, en gros, j'allais lui dire que, bah, tu vois, il faut pas, faut faire attention à qui tu parles. Non mais il a raison. Il a raison. C'est pour ça que je suis venu. Et moi, sur la tête de ma mère, jamais je touche une gamine. Non, laisse aller en dehors de ça. Et sur la tête de ma mère. Tu vas pas lever le toit avec moi. Tu vas pas lever le toit avec moi. Déjà, tu vas te calmer. Non. Écoute-moi, il y avait pas de truc vraiment chelou. Il y avait un truc vraiment chelou. Je sais que t'es en stress. Je sais que t'es en stress. Écoute-moi. T'es là, t'es un pédophile, on sait, mais. Sur la tête de ma mère, jamais de la vie. Laisse ta mère tranquille. Jamais de la vie, je touche une gamine. C'est pour ça que je voulais venir voir qu'est-ce qui se passait ici. Pourquoi? Parce que cette gamine, la voix, je l'ai dit combien de fois je l'ai dit. C'est pas possible, t'as 25 ans, c'est pas possible que tu fais ça. Mmh. Et alors je voulais voir pourquoi une gamine, elle voulait donner son cul comme ça. Donc t'as des bons samaritains. Sur la tête d'ailleurs que oui. Ah bah, c'est un bon gars. C'est un bon gars, les gars. C'est un bon. En fait, il était là, c'était pour rendre service. Il était là pour rendre service. Ferme-moi. Seigneur Dieu, à ton âge, Pourquoi tu crois pas les gens? Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, monsieur, déjà refus de. Est-ce que je dis combien de fois monsieur... j'ai dit tu as 25 ans? Monsieur, c'est pas possible, c'est bon. Est-ce que vous avez des objets contendants sur vous? Rien du tout. Rien du tout, vous êtes sûr? Rien du tout. Bon, le petit 3 pièces, il a l'air petit, écoute, mais bon. Écoute-moi, jamais de la vie je fais ça. Je suis venu voir parce que c'est pas normal. Tu comprends? Quand j'ai vu ça, quand je l'ai entendu parler, est-ce que. Qui a parlé ici? Qui parlait? Je garde le bon soupçon, oui, d'accord. Elle a pas 14 ans. Elle a 14 ans. C'est jamais de la vie. Est-ce que j'ai dit combien de fois j'ai dit? C'est une fille de 13 ans. Combien de fois j'ai dit? Combien de fois? Pourquoi il met ses autres vidéos? Mais qu'est-ce combien qu'il fois fait? J'ai dit ça. Moi je suis son cousin. D'accord. Donc, je peux pas accepter, je suis désolé. Et je me suis dit non. Elle t'a dit non, c'est vous. S'il te plaît. Non. Parce que tu peux pas mettre ça contre nous, je suis désolé. Faut te calmer. Déjà, tu te calmes, t'es en stress. Tu transpires, mon gars. C'est pas parce que t'es grosse, parce que t'es en stress et t'es un pédophile. Regarde, s'il te plaît. Non, attends, regarde. Non, tu es un pédophile, je suis désolé. Tu vas te calmer. Jamais de la vie. De pourquoi t'es sorti de ta voiture? Je suis sorti de ma voiture parce que j'ai rien à me reprocher. Ah bon? Bonne technique. C'est la technique de. Tu vois, en fait, son mensonge, il a réussi. Là, il a créé un mensonge en mode il est venu pour aider, là. C'est un baiser. C'est un menteur, mais genre, il a lancé son mensonge tout de suite, quoi. Et en plus, le mensonge le plus débile, je suis sûr que tu regardes les messages, il dit « Ouais, je vais te baiser, je vais te faire des trucs de fou et tout. » Et là, maintenant, il fait le mec qui voulait aider, frère. Donc ça veut dire là, on appelle la police, t'es bien? On appelle la police si tu veux. Moi, je te jure, sur la tête de la mère, je suis venu parce que je me suis dit « Il y a un problème avec cette gamine. » Mais pourquoi il monte pas les messages aussi? Faut voir les messages. Comme ça, là, tu dis « Bon, là, quand tu dis que tu lui mets dans le cul, c'était pour l'aider, hein ?» Ok, donc tu dis que tu es venu ici parce qu'il y avait un problème avec cette gamine et que tu voulais la sauver car toi tu es un super héros, hein, Abdelaziz. Je rappelle que c'est pas à son nom, c'est juste moi qui l'ai baptisé comme ça. Et je rappelle aussi que tout ce qui va suivre n'est pas une fiction mais la réalité. Voilà. Hop, j'ai reçu un mail là. Augustus, j'ai reçu un mail là. C'est une calculette là qui tient dans la main là? Abdelaziz, père des filles de 14 ans, ok. Bon, attends, je sais pas si c'est des vidéos. Attends, je clique. Oh. Ah, ok, c'est. Ah, ça envoie, c'est. Il avait des vidéos, il est nu. Même pas en bas, là. Le trou noir. Trou noir, directement dessus. Là. Doggy style, c'est. Ah, c'est compliqué, mais bon. On juge pas les gens, c'est. Chacun sa pratique sexuelle, je veux dire. C'est il s'est mis en levrette. Il y a une deuxième vidéo ici, attends, je clique dessus, là, c'est. Attends, j'arrive pas bien à lire. Je baise une voilée. Ah! Ah ah! Ah le bougre. Attends, je sais plus. Ah! Mais peut nous expliquer ce golemon là? Ça envoie, il y a le cardio là. Et en plus, une voilée rose, Augustus. Une voilée rose. Non, je peux plus. C'est comme. Non, je peux plus. C'est trop. C'est trop. Qu'est-ce qu'il raconte? Quoi? Tu me demandes s'il va aller en. Oh, la lumière? Non, lui, c'est.
En bas, direct. Non, c'est. Voilà, le noir. Non, les ténèbres. Non, le feu, barbecue. Ta non, gueule, ta gueule. T'es con, cool, quoi, toi. Moustache, hein. Barbecue, c'est fini. C'est pas normal. Et j'ai dit plusieurs fois. Combien de fois j'ai dit, elle a pas 25 ans. C'est la quatrième fois. Je te jure que c'est la première. C'est la quatrième fois que tu sauves une fille. Ouais, je sais pas. C'est la première fois. Ah, c'est la première fois. C'est la première. Et fois. Tu vas continuer encore. Mais je vais sauver toutes les filles si tu veux. Il y a mais pas de problème. Sauver toutes les filles. Ben. Et alors? Non mais crée ta chaîne YouTube en et fait. Et alors? Non mais il faut nous dire. Et mais vous pouvez pas déjà filmer. Non il faut me dire. Non il faut me dire monsieur. Arrêtez. Il s'appelle comment? T'as dit si, t'inquiète pas, je sais m'occuper des grosses putes. Regarde. Ah. Ok, bah voilà. Voilà. Il s'appelle comment? T'as dit si, t'inquiète pas, je sais m'occuper des grosses putes. Regarde. Wesh, attends. C'est quoi la touche pour retourner les frames? T'aimes les gros jouets? MDR, oui ça, t'inquiète, je sais m'occuper des grosses putes. Pourquoi j'ai dit ça? Un fragment délire! Tu sais pourquoi je suis rentré dans son jeu? Depuis le début, lis depuis le début, s'il te plaît. On va lire toi et moi. Viens, on s'assoit dans la voiture même si tu veux. Oui, bon. Toi et moi. Y'a pas de problème. Oui, toi et moi? Toi et nous? Si toi, y'a pas de problème. Bien sûr, on va s'asseoir. On va gêner ici. Regarde, s'il te plaît, je te manque pas de respect, s'il te plaît. Pardon? On va pas pour alors, parler. D'abord, on va parler, on va s'il parler, te plaît. On va parler correctement. Regarde. Nous, on veut savoir les choses parce qu'on a du tu mal. On va prendre cette conversation de plus. Déjà, tu vas te calmer. Moi, je te le dis, tu vas te calmer, ok? T'es un pédophile! Regarde. Non, je ne regarde pas. Ça va pas. Non, j'en ai marre, tu parles trop. T'es un pédophile? S'il te plaît. T'ouvres ta gueule? Oh, que tu prends des petites fesses de gamine? T'essayes de rentrer ton petit trois pièces là. Tu vas là, tu vas te calmer ou quoi? Oh, Seigneur. Regarde, s'il te plaît. Regarde. Hey, les gars, on va parler tranquille. Hein? On va parler tranquillement maintenant, t'as compris? On va parler tranquillement. Mais les Belges, je sais pas ce que vous avez dans votre eau, mais pourquoi vous êtes tous fous comme ça là? Vous avez quoi dans votre eau, les Belges? Genre vraiment? Regarde, écoute-moi, prends cette conversation depuis le début. Voilà, prends. S'il te plaît. Prends. Excuse-moi, j'avais un peu de. Prends cette conversation depuis le début, s'il te plaît. Excuse-moi. Parce d'accord. que ce menteur, hein, regarde. Ce collabo, cette pourriture, il voulait nous mentir, regarde, mais là maintenant tu vas dire la vérité. Tu vas dire la vérité. Toi, tu parles pas et je te dis la vérité. Je te dis la vérité sur la tête de ma mère. Moi, je venais là pour parler avec cette gamine et je venais même lui donner de l'argent. Et j'allais lui dire, regarde, tu vas rentrer chez toi parce que ce que tu fais, ça se fait pas. Et sur la. Wesh, mensonge sur mensonge. C'est une dinguerie de mentir comme ça, frère. Mais là, c'est maladif, là. Mais laisse ta maman, ouais. Non, mais... Ouais. En mode, c'est dans Equalizer, c'est Denzel Washington. Genre, il aide la pute à sortir, il lui donne de l'argent, il lui donne un nouveau taf et tout. Pour les sortir de la merde. Wesh, c'est un baiser. La tête de ma mère. Ma mère écrit, maintenant, jamais je vais faire un truc comme ça. Il veut te dire que ta maman est morte. Jamais de la vie. Mais pourquoi t'as l'intention de pleurer? Jamais de la vie. On dirait que tu vas pleurer, mec. Je pleure pas parce non. que vous faites des trucs. Vous croyez que vous m'avez piégé et moi je venais pour aider cette gamine. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais pourquoi t'allais dire t'as... Je prends la conversation depuis le début. Alors, mais pourquoi t'allais dire regarde. Au début de la conversation. Vas-y, début. Voilà. Ça va, t'as quel âge? Voilà. Bon, allez. Tu sais pourquoi? Regarde. T'aimes les mecs âgés. Écoute, c'est pour moi. Écoute-moi. Okay. D'accord? Je t'explique le contexte. Cette meuf, elle dit qu'elle a 18 ans. Clairement, elle n'a pas 18 ans sur la photo. Moi, je like et je la rajoute sur Instagram. Et moi, je te dis la vérité. Moi, je prends des putes, je prends des meufs, il n'y a pas de problème. Je dis la vérité. T'es musulman, en plus. Tu comprends? Je prends. Je fais ce qu'il faut, c'est tout. J'ai fait des péchés. T'as pas honte. Tout le monde fait des péchés. Oui, non, mais t'as pas honte. J'ai pas honte. J'ai t'as fait pas des honte. Péchés, j'ai des hontes. Moi, j'ai pas de compte à te rendre. Tu comprends? Okay. Moi, je rends des comptes à Dieu, t'as compris? Et aussi dans le petit bout des petites filles. Toi. Et aussi dans le petit bout des petites filles, tu rends des comptes. Jamais hein? Ta vie. Jamais. 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 Ton air. Jamais. C'est un menteur.
t'es un collabo. Pourquoi toi, tu crois que t'as raison en fait, hein? C'est quoi ton histoire? Mais parce que t'es ici avec ta voiture, tu savais que la fille elle avait combien, 13, 14 ans? 14 hein ans elle a dit. Bah, et t'es toi, là t'écoutes mon histoire. Fallait pas venir. Tu écoutes mon histoire ou pas? Non, moi je t'écoute. Hein. J'écoute mon histoire. Parce que t'es musulman et ça m'a. Bref, regarde. Si toi tu te mets à la place du père de la fille. Non, non, c'est pas ça, écoute. Non, non, mais si tu vois ça, qu'est-ce que tu fais? Mais bien sûr, je fais pire que vous même. Y a pas de problème, je fais pire que vous. Mais maintenant, si tu te mets à ma place en écoutant vraiment cette histoire, mm-hmm. moi je vois qu'elle a pas 18 ans sur Tinder. Mm-hmm. Alors je la rajoute pour ça. Tu comprends? Mm-hmm. Donc je parle avec elle et je dois faire un truc, je dois rentrer un peu dans le jeu. Oh, est-ce que j'ai parlé de cul au début? Tu peux? Regarde. À un moment ça parlait de regarde, cul. Regarde. Tu sais pourquoi ça parle de cul fort? Parce que j'ai compris. Parce que t'aimes ça. Parce que t'aimes ça. J'ai compris. T'as un petit but et t'aimes ça. J'ai compris qu'elle va jamais venir. Oh. Toi ce soir. Tu comprends? Oh. Regarde. Oh. Et même pour te dire. Comment je l'ai pas pris au sérieux. J'ai rien. Tu sais que tu me fais plus rigoler qu'autre chose. J'ai pas lu les conversations, mais c'est incroyable. Regarde. On va faire quoi? Dis-moi. Une balade en voiture, un peu d'argent de poche. Attends, regardons le risque des pédophiles. Regardons le risque du pédophile. J'ai envie de voir comment un pédophile risque, comme ça, les gars, dans le chat. Vous faites jamais ça avec les meufs, comme ça. Vous dites, si un pédophile, il risque comme ça, moi, je dois pas envoyer des... C'est pas comme ça que je dois gérer les meufs. Parce que s'il y en a, vous envoyez des messages comme lui, et bah, juste... Voilà. Faut se remettre en question. Pourquoi on met les bandes d'interrogation? On va faire quoi? Dis-moi. On va faire quoi, wesh? Une balade en voiture, un peu d'argent de poche. Pourquoi? Parce que... Alors... Une balade en voiture, un peu d'argent de poche. Un gros pédophile. Il parle comme un pédophile. Je suis chaude. Envoie-moi une photo de ton visage. J'envoie pas sur les réseaux si tu veux. Tu ressembles à quoi? Tu verras en live, c'est mieux. Je voulais discuter avec elle. Non, ça prend toi. Arrête de me couper. C'est le comportement d'un pédophile. Arrête de me couper, s'il te plaît. Mais pourquoi je vais pas te couper? On va faire quoi, vraiment, la grosse phrase de détrahir. En vrai, les gars, je vous jure, n'envoyez jamais ça à une meuf. Même si une meuf, elle voulait. Ok, les gars, sachez que même si une meuf, elle veut, juste lui dire ça, frère, tu vas passer pour un gros dalleux. Tu vois? Donc, on va faire quoi? Même si la meuf, elle sait, frère. La meuf, c'est par exemple, elle vient chez toi à minuit. Bon, je dis pas que toutes les meufs qui viennent chez toi à minuit, elles veulent baiser. Mais il y a de grandes chances. Si une meuf qui vient chez toi à minuit, il y a de grandes chances. Donc, il n'y a pas besoin de lui dire. On va faire quoi? On va faire quoi? Non, moi, je le dis. C'est pour ça que t'as pas de meuf. Couper. Non, je me tu mérites qu'on te coupe la bite. Non, mais... non. Coupe les couilles. Pourquoi je dis ça? Tu sais pourquoi je dis ça? Dis-moi. Pour lui dire de venir, tu comprends? Ouais. Pourquoi je la fais venir? Pourquoi je la fais venir? Parce qu'elle doit avoir... Elle doit avoir une raison de venir, tu comprends? Et moi, je veux parler avec elle. Et je veux comprendre pourquoi elle fait ça à son âge. Parce que clairement, je vois qu'elle n'a pas l'âge qu'elle met sur Tinder. Et alors, je la patte comme ça pour qu'elle vienne. Je la patte. C'est la vérité. Vrai. Du coup, nous là... Qu'est-ce qu'on doit faire avec toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire là? Est-ce qu'on doit... Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire là? Mais tu fais ce que tu veux. Moi je me défendrai. Tu vas à la police. Moi je dirai ma version des faits et point final, c'est terminé. Ta version des faits, c'est la prison. Hein. Non, ça je suis désolé, juste parler et puis après aller au rendez-vous, c'est regarde, assez plus cassé. Regarde, c'est combien de fois? Regarde. On va faire quoi ensemble? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Non. Non, j'ai rien dit. D'où vient juste ta motivation? D'où vient ta motivation? Non, parlons sérieux, elle d'où elle vient ta... Les motivations en question. Les gars, il est en train d'essayer de leur retourner le cerveau. Alors, juste avant, il a dit quoi? Les meufs comme toi, je m'occupe bien des petites putes comme toi, genre. Oui. On parlait de cul, alors je me suis dit, je vais rentrer dans ce jeu, sinon jamais non, elle non, va non, venir. Non. Jamais. On parle du venir. Début. D'où vient ta motivation? De base, de sauver les petites gamines comme ça. La motivation d'un père. J'espère qu'il a pas de fille, lui, hein. La motivation d'un père. J'espère qu'il a pas de fille. La motivation d'un père. Je te le dis droit dans les yeux. La motivation d'un père. Tu crois quoi? Tu crois que je vais prendre une petite gamine? J'en ai rien à foutre, hein. J'ai 36 ans, hein. J'ai pas 14 ans, hein.
Mais non, mais c'est quoi la première motivation? Je suis pas en rut. Moi, je prends des meufs. J'en ai rien à foutre. Non, je vais bien. Je vais pas prendre des gamines. Non, je vais bien. Jamais de la vie. Toutes les meufs que je vais te montrer, j'accepte. J'aime les meufs. J'ai pas de gamines. Doucement, calme-toi. Calme-toi ton cœur. Calme-toi. Mais il a rien. On veut savoir la motivation. Juste la motivation. La motivation. Non. Une meuf qui faisait n'importe quoi. Là, c'est trop bancal. Regarde, écoute-moi. Grâce à vous. Il y a des gens comme moi qui peuvent essayer. Oui, comme toi. Regarde, qui peuvent essayer d'aider. Tu peux imaginer un seul pourcent de chance que j'ai raison et que je dis la vérité. Non, mais c'est vrai. Les gars, il était là pour la sauver. Il a dit qu'il allait la baiser, mais il était là pour la sauver. Je comprends. Moi, je le crois, honnêtement. Est-ce que tu peux essayer de mettre ça dans l'optique? C'est pour ça que je te demande, c'est quoi la vraie motivation? J'aime bien les putes comme toi. En gros, c'est son clavier, il s'est trompé. Il voulait dire j'aime bien les potes comme toi. Il s'est trompé. Bancale. Elle est trop bancale. Si. Ma motivation, tu sais quoi? Elle est de la. D'où elle vient? Elle est de la faire venir là. Mm-hmm. Tu comprends? Comme ça. Pour la soulever, oui, non, je sais. Non, pas pour la soulever. Pas la faire venir, lui dire, écoute, supprime tout, c'est pas bien. Elle va pas le faire. Elle va jamais le faire. Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais très bien. Écoute. Et pas lui envoyer des conseils comme ça. Non, écoute-moi. Déjà de un, il y a. J'aimerais que tu te réveilles. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu m'énerves. Pourquoi tu fais ça? T'es un putain de pédophile et j'ai envie que tu me répondes. Quelle est la motivation? Police behind this guy. Oh, they like it. Est-ce qu'il y a la police ou pas? Non, la Kema House, si vous savez pas, c'est... Vas-y, c'est trop ghetto, frère. Faut qu'il y ait un mec qui fasse ça en France, mais qu'il le fasse bien, genre. C'est trop ghetto, wesh. La vie, frère. La vidéo, c'est le trailer de GTA San Andreas. Non, vraiment. Toi, non, moi, j'ai... Ça ira, moi. J'ai pas...